Le brisement. Brokenness. Le secret du débordement spirituel. The secret of spiritual overflow. Notons ceci. Let us write this down. L'homme non brisé est un homme de calcul. An unbroken man is a man of calculations. Soyez très concentré. Le Seigneur fait l'œuvre de 1,000 ans en un jour. Please, you should concentrate. The Lord can do the work of 1,000 years in one day. C'est une soirée très riche. It's a very rich evening. Beaucoup ont été déjà délivrés. Many have already been delivered. Beaucoup ont été bénis. Many have been blessed. Beaucoup ont été choisis ce soir même pour aller en mission. Many have been chosen this very evening to go on mission. Si vous voulez, à la fin, je lance l'appel. If you want, at the end, we can launch the call. Vous allez voir. And you will see. L'homme non brisé est un homme de calcul. An unbroken man is a man of calculations. Un opportuniste. An opportunist. Il ne connaît pas la générosité. He does not know generosity. La parole de Dieu dit que quand Jacob a vu son frère Esaü, the word of God says that when Jacob saw his brother Esau, au lieu de pourvoir à son besoin, instead of providing for his need, il a profité pour lui arracher le droit d'aînesse. He benefited to snatch his birthright. Les hommes non brisés savent utiliser les faiblesses de leurs semblables. Unbroken men know how to use the weaknesses of their like, of people who are like them. Je suis là en train de vous présenter un enseignement du frère Zach contenu dans son livre Le brisement, le secret du débordement spirituel. Here I'm presenting to you the teaching of Brother Zach in his book entitled Brokenness, the secret of spiritual overflow. Les hommes non brisés savent utiliser les faiblesses de leurs semblables. Broken men, unbroken men know how to use the weaknesses of their kind. Pour atteindre leurs objectifs. To reach their goal. Pour atteindre leurs mauvais calculs. To get to their evil calculations. Jacob savait évidemment. Jacob knew in an evident way. Il savait évidemment comment son frère se comporte quand il revient de la chasse ou quand il revient des champs. He knew exactly how his brother behaves when he comes back from the field. Il savait que son frère avait souvent besoin de nourriture. He knew that his brother always needed food. Et il a attendu son frère. And he waited for his brother. Dès qu'il lui a demandé la nourriture, as soon as he asked him for food, il lui a dit de lui donner son droit d'aînesse. He asked him to give him his birthright. Et le frère pose un certain nombre de questions. Le frère Zach. Brother Zach asked a certain number of questions. Es-tu capable d'aider quelqu'un dont tu connais le besoin sans chercher à l'exploiter? Are you able to help someone whose need you know without trying to exploit him or her? Peux-tu aider quelqu'un? Can you help someone que tu connais? Whom you know et dont tu connais le besoin? And whose need you know sans chercher à l'exploiter? Without seeking to exploit them. Peux-tu aider quelqu'un pour rien? Can you help someone for nothing? Ce sont des questions qui demandent des réponses. These are questions that need answers. Dans ta conscience. In your conscience. Utilises-tu le fait que quelqu'un dépend de toi pour l'exploiter? Do you use the fact that someone depends on you to exploit the person? Ça demande une réponse. This needs an answer. Est-ce que tu utilises le fait que quelqu'un est sous ton autorité? Do you use the fact ta tutelle? Do you use the fact that someone who is under your authority, under your guidance? Peut-être que tu lui donnes l'hébergement. Maybe you lodge him. Ou bien tu le nourris. Or you feed him. Ou bien tu payes ses études. Or you pay his fees. Est-ce que tu profites de cette position-là pour escroquer, pour exploiter la personne? Do you benefit from that position to exploit that person? Utilises-tu le fait que tu es dirigeant pour brimer les brebis? Do you use the fact that you are a leader to lord over the flock? Pour exploiter les brebis. To exploit the sheep. Pour exploiter ceux qui sont sous ton autorité. To exploit those who are under your authority. On m'a parlé d'un pasteur. I was told about a pastor. Il avait créé, je crois que c'est à l'ouest de Côte d'Ivoire, je vais vérifier. Peu importe le lieu, retenez le principe. Un homme de Dieu, entre guillemets, a man of God in quotes, qui encourageait les jeunes gens à abandonner les études
who encouraged young people to abandon their studies. Activement, si tu identifies la région, tu me fais signe. That is in an active way. If you identify the region, please tell me. Mais il avait veillé à ce que les jeunes gens ne disent pas à leurs parents qu'ils ne partent plus à l'école. But he ensured that the young people did not tell their parents that they were no longer going to school. Donc ils sont avec lui dans un camp. So they are with him in a camp. Et les parents continuent à envoyer l'argent. And their parents continue to send money to them. Quand ça arrive, ça atterrit dans ses poches. When the money comes, it gets into his pocket. Who knows that story, please? Mais c'est une histoire vraie. But it's a true story. Parce que ça avait fait beaucoup de bruit. Because it made so much noise around. Les enfants, des gens, people's children, exploited par un faux berger. By a false shepherd. Les parents envoient l'argent. Parents send money. Il prend et met dans la poche. He takes it and puts in his pocket. Il avait même menti qu'à un certain moment même ils vont voyager. He had even lied that at one point they would travel. Est-ce que tu utilises ta position pour faire du mal? Do you use your position to do evil? Et pour certains, for some, ce n'est même pas pour les exploiter. It's not even to exploit them. Quand les gens sont sous sa tutelle, when he is the guardian of some people, il les couvre de mépris. He covers them with spite. D'insultes. He insults them. Mépris. He despises them. Je connais quelqu'un. I know someone. Il y avait des gens chez lui. He had people in his house. Dès que tu fais quelque chose, vous avalez ma nourriture. As soon as you do something, he says, you swallow my food. Vous êtes là pour avaler ma nourriture. You are only here to swallow my food. Il avait un frère infirme. He had a brother who was lame. Le gars pleurait. The guy used to cry. C'est-à-dire que les mêmes convertis non brisés, convertis non brisés. We are talking about people who are converted but unbroken. Quand on n'est pas brisé, when you are not broken, on est capable de tout. We are capable of doing anything. Tout. Everything. Vous avalez ma nourriture. You swallow my food. Vous notez ceci. Write this down. Peut-être que tu es rude envers ceux qui souffrent. Maybe you are rigid towards those who are suffering. Ceux qui sont devenus invalides. Those who have become incapable. De suite d'une maladie ou d'un accident. After a sickness or an accident. Certains croyants ont une capacité de se moquer des gens. Some believers have the capacity to mock others. Quand j'avais démissionné. When I resigned. Ça avait énervé certaines personnes. Some people got angry. Un frère a dit à la sœur Colette. A brother told sister Colette. Est-ce que vous aurez même un ventilateur chez vous? Do you even have a fan in your house? Bon, il n'a même pas vérifié si on en avait quand même. Is he not even verified whether we have? C'est symbolique. Il veut dire que vous, les pauvres, il ose démissionner. He did not even verify that we had it, but he just wanted to say, poor people like this wants to resign. Une maman est venue. A mother came. Tu voyais les gens comme ils démissionnent, après ils demandent les choses aux gens partout. Je les réprimandais. You know, these people were around begging for things from people everywhere. I rebuked her. Je lui ai dit que moi là, on ne va rien demander. She came and said that we are going to beg. I told her that we will not beg for anything. Et on a été serein. C'était difficile, comme disait le couple. Mais Jésus était là. And we went through difficulties, but we were calm because Jesus was there. Le mépris. Spite. Quand on dit, je suis de telle tribu, de telle ethnie. Oh, tu commences à te moquer. Tu oublies même que tu es un frère. When one Et que says, ton frère n'est plus de cette tribu-là. When one says that I'm from this tribe or the other tribe, you begin to mock. And you forget that you are a brother and that your brother is no longer from that tribe. Tu n'es pas brisé.
You are not broken. Donc la vie de Christ ne peut pas déborder, ne peut pas couler de toi. So the life of Christ cannot flow, cannot overflow from you. Quand on dit non brisé là, ça sonne poétiquement bien, mais ça sonne à l'oreille comme si c'était le vers d'un poème. Mais ça veut dire que quoi? Que tu n'as pas le Saint-Esprit. When they say unbroken, it sounds in the ears like poetry, but it actually means that you don't have the Holy Spirit. Dans la plénitude. You don't have the Holy Spirit in His fullness. Yeah. Tu n'as pas une vie qui peut couler vers les autres. You don't have a life that can flow to others. Tu ne peux pas dire comme Paul, la mort agit en nous, la vie agit en vous. You cannot say like Paul, death is at work in us and life is at work in you. Les hommes non brisés ne sont pas bons. Unbroken men are not good. Les hommes non brisés ne sont pas bons. Unbroken men are not good. On ne peut pas être bon quand on porte en son sein de fausses ambitions. One cannot be good when he has false ambitions in him. Tu es assis là. You're seated there. Tu as des ambitions mauvaises. You have bad ambitions. Tu as des faux motifs. You have false motives. Tu ne peux pas être bon. Tu ne peux pas être bon. You cannot be good. On ne peut pas être bon quand on est égoïste. One cannot be good when he's selfish. Et le frère traite le sujet à ce niveau de manière à ouvrir l'intelligence de chacun. But Isaac treats the topic at this level to open the minds of each one. Il dit, visiblement, tu peux constater que les gens, les hommes non brisés posent des actes de gentillesse, de bienfaisance. Ils sont là, vertueux. Ils peuvent donner à manger aux gens, ils donnent les habits. Il dit, attention, Jacob a servi le pain, la nourriture, il a donné la nourriture, il a donné l'eau. He says that you can see unbroken people are there, they are nice, they serve people, but he said, watch out. Si Jacob tu vois, was there, he served bread and water. Si tu vois Jacob donner la nourriture à son frère, tu es assis quelque part, tu le vois poser des actes, tu vas dire vraiment, cet homme est gentil. Et regarde comment il prend soin de son frère. That if you see Jacob giving bread and water to his brother, you can say, oh, he's very nice. He's gentle. Mais la vérité, c'est qu'il a déjà pris son droit d'aînesse. But the truth is that he had already taken his birthright. Quand un homme rusé, non brisé, marche avec toi, when a cunning man, a man who is full of tricks, walks with you, toute sa gentillesse, all of his kindness est fausse. Is false. Il a déjà pris ce qu'il veut. He has already taken what he wants. Ou bien il est en train de prendre tous les jours. And he's taking every day. Les gens ne voient pas ses pensées. People cannot see his thoughts. Mais toi, tu sais. But you know. Que je souffre dans cette maison. That I'm suffering in this house. On avait une sœur dans cette ville. We had a sister in this city. Elle prenait sa servante. She used to take her servant. Elle ferme dans la maison. And she locks her up in the house. Elle ferme le frigo de telle sorte que même l'eau glacée ne peut pas boire. And she closes the refrigerator in such a way that she cannot even drink cold water. Elle met toute la nourriture en sécurité. And she closes up the food so that she cannot take it. La sœur a maigri, a blanchi. Déjà que le sang même manquait, un jour elle est tombée. The sister became thin until sa servante, les deux étaient sœurs. Hein? And the servant was a sister. The housewife was a sister. She became thin and she was even lacking blood. Je ne sais pas si elle est dans la salle. I don't know if she's in the hall. Elle allait vous dire qu'il s'agit de moi. She would have said that she is talking about. Mais nous me. Ne pouvons pas donner le nom de l'autre. But we cannot give the name of the other person. Une sœur en Christ. A sister in Christ. Un jour, one day, elle me dit, she told me, Francis est un sorcier. Now Francis is a witch, he's a wizard. Il faut qu'il quitte l'assemblée. He should leave the assembly. Je dis que mais c'est nous qui délivrons les gens. Délivre-le. I told her, well, we are the ones who will deliver. Délivre l'enfant. Deliver that child. Elle est bloquée. She was blocked. Je dis à Francis, prépare le cahier, tu lui donnes. I told Francis, prepare your book and give it to her.
Francis a préparé le cahier. Je connais deux frères qui écrivent bien dans cette église. I know two people who write very well. Il y a le frère Bab, Paul Bab et Francis. Two brothers who write well in this church, with Paul Bab and Francis. Mais cette sœur a dit que il y a la salité. Quand le frère écrivait, il a barré quelques mots là. The sister said, well, there are some places that she could not see because when the brother wrote, he cancelled somewhere. J'ai demandé qu'elle me montre le cahier, frère. I told her to show me the book. Ça ressemblait à la sorcellerie. This just resembled witchcraft. Je lui ai dit, délivre-le. I told her, deliver him. Et j'ai commencé à planifier la délivrance, c'est-à-dire la libération de Francis. And I started to plan how to free Francis from her. Elle a gardé le cahier. She kept the book. Des semaines. Weeks. Donc, je suis allé, je lui dis, moi-même, je veux le délivrer. I went and told her that I would like to deliver him myself. Elle dit, non, j'ai dit, moi-même, je le délivre. She said, no, I said, I will do it myself. Elle dit, d'accord. She said, okay. Après, elle m'appelle. Afterwards, she called me. Elle dit, je démissionne. She said, I resign. Elle dit, il n'y a pas de problème. I said, there's no problem. Frère. Brethren. Si tu brimes quelqu'un. If you lord it over someone. Si tu meurs. If you die. Tu iras à l'enfer. You go to hell. Quand on dit non briser la loi, il ne faut pas jouer avec. When we say unbroken, you should not joke with it. Tu es mauvais. You are evil. Que tu fais souffrir un être humain. And you make a human being to suffer. Croyant ou non croyant. Believer or unbeliever. Si tu meurs. If you die. Tu n'iras pas au ciel. You will not go to heaven. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si les gens vivent chez toi. If people live in your home. Fais l'effort. Make an effort. Pour les traiter très bien. To treat them very well. Si tu es un disciple, if you are a disciple, paye le prix, pay the price, pour être une bénédiction, to be a blessing. Si tu es un faiseur de disciples, if you are a disciple maker, paye le prix, pay the price, pour être une bénédiction, to be a blessing. N'exploite pas les gens. Do not exploit people. Ne te moque pas d'eux. Do not mock them. Que va dans ta maison. Tu crois que c'est facile de construire une maison? Va construire ta part. Tu verras. You say, go to your house. Go. Do you think that it's easy to construct a house? You will see. Si tu ne te repens pas. If you don't repent. Ce sont ces phrases-là. Those same. Qui vont te montrer le chemin du lac de feu. Those same sentences will show you the way to the lake of fire. Dans le monde. In the world. Les gens montent sur les autres. People climb and walk on others. Ils deviennent grands. To become great. En Jésus. In Jesus. Ça ne doit pas se faire. It must not be done. Tu dois servir les frères. You must serve the brethren. Et si tu sers les frères, and if you serve the brethren, ce n'est même pas dans ce monde que tu seras grand. It's not even in this world that you'll be great. C'est au retour de Christ. It's when Christ returns. Où les rangs seront révélés. Where ranks will be revealed. La gentillesse de Jacob. The kindness of Jacob. Avec le droit de naître dans la poche. With the birthright in his pocket. Ne peut pas t'amener au ciel. Cannot take you to heaven. Tu as une charge qui t'attend quelque part. You have a task waiting for you somewhere. Tu trompes un frère. And you deceive a brother. Je veux qu'on aille ensemble. I want us to go together. Tu ne lui dis pas qu'il y a des colis, ça pèse lourd. Je cherche quelqu'un avec qui je veux soulever ça. You don't tell him that I have luggage that weighs so much. I will need somebody to help me carry it. Tu fais comme si tu l'aimes. You behave as if you love him. Et il te suit. And he follows you. Après deux grosses charges vous attendent. Afterwards, two big bags are waiting for you. Ton frère se retrouve avec une charge lourde sur la tête. And your brother finds himself with a big luggage on his head. Tu l'as enrôlé par astuce. You enroll him with tricks. Tu l'exploites. You are exploiting him. Il y a une histoire dans la Bible.
There is a story in the Bible. David avait mis le vœu de boire l'eau. David expressed the desire to drink water. Qui était au-delà d'une garnison des Philistins. The water that was found in the Philistine garrison. Trois vaillants hommes ont entendu. Three mighty men heard it. Ils sont partis puiser de l'eau. They went and fetched the water. Ils sont venus servir cette eau à David. And they came and served David. Car David a su que c'était l'eau qui vient de là où ils ont risqué leur vie. When David saw that water came from where they had risked their lives to get it, il a dit qu'il ne peut pas boire ça. He said he could not drink it. Voilà le cœur de quelqu'un qui n'exploite pas les autres. That is the heart of someone who does not exploit others. On va revenir sur ce thème la semaine prochaine. We are going to come back to this theme next week. Les faux motifs. False motives. Les faux services. False service. Après beaucoup de calculs. After many calculations. Tue l'amour fraternel. Kills brotherly love. Et crée des grandes blessures. And creates great wounds. Tenons-nous debout. Let us stand, please. Passons un temps en prière. Let us spend some time in prayer. Ça, ce n'est pas la théorie. This is not theory. Y a-t-il quelqu'un? Is there someone qui souffre? Who is suffering? Parce qu'il vit chez toi. Because he lives in your home. Est-ce que ta femme est heureuse? Is your wife happy? Est-ce que ton mari est heureux? Is your husband happy? Les actes que tu poses. The actions that you carry out. Semble être des actes de vertu. Look like virtuous acts. Mais au fond, but quels sont les motifs? When you look deeply, what are the motives? Quels sont les motifs? What are the motives? Quels sont les motifs? What are the motives? Je veux changer le faiseur de disciples. I want to change my disciple maker. Quels sont les motifs? What are the motives? Qui doit te bâtir? Who has to build you up? Le frère Théodore. Brother Theodore. Ah, c'est bien. That's good. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi lui? Why him? Pourquoi te débarrasses-tu rapidement de frère Médard? Why do you want to lay aside Brother Médard so quickly? Donc, les gens convertis, non brisés, sont pleins de calculs. Converted but unbroken people are so full of calculations. Ça, ce n'est pas un message pour les païens. It's not a message for pagans. C'est pour nous. It's for us. Les enfants de Dieu. Children of God. Si tu résistes à l'action du Saint-Esprit. If you resist the action of the Holy Spirit. Qui veut te casser pour que tu sois utile à Dieu. Who wants to break you so that you'll be useful to God. Tu vas continuer avec la ruse. You'll continue with your tricks. Si tu veux fuir la discipline d'un faiseur de disciples. If you want to flee from the discipline of a disciple maker. Tu choisis quelqu'un qui n'a pas le temps. And you choose someone who does not have time. Par astuce, tu dis, mon faiseur disciple, c'est le frère Théodore. Just by craftiness, you say, my disciple maker is Brother Theodore. Ou bien le frère Boniface. Oh, Brother Boniface. Tu sais que tu peux faire 3 mois sans qu'on se rencontre même. And you know that you can spend 3 months without us even meeting. Et quand tu te présentes, and when you present yourself, tu dis le nom de ton faiseur de disciple. You say the name of your disciple maker. Et puis tu le cherches. And then you look for him. Tu dis, pardonne-moi, c'est quand je viens de prononcer là que je me suis rappelé que tu es mon faiseur de disciple. And you tell Et him, puis vous priez, il te bénit, tu seras béni. And you tell him that is when I just pronounce your name that I remember that you are my disciple maker. And then he will bless you and you will be blessed. Ça c'est la vie, frère. That is life, brethren. Ce n'est pas la théorie. It's not theory. C'est ça qu'il va aller enseigner. That's what he's going to teach. Prions ensemble. Let us pray. Ce que je veux dire, c'est quoi? What am I trying to say? Quand tu choisis un faiseur de disciples, when you choose a disciple maker, il doit être quelqu'un qui peut t'aider sur place. He must be someone who can help you on the spot. Il y a une catégorie de personnes. There is a category of people qui peut être confiée au leader mondial. Who can be handed over to the international leader.
Dès que le frère m'a annoncé la nouvelle, when our brother shared the news with me, nous avons informé le leader mondial. We informed the international leader. Parce que là, c'est lui qui peut avoir l'œil sur lui. Nous, on est ici à Atekwa, vraiment très joyeux, et on peut l'oublier même. God is the one who can watch over him. We are here in our Atekwa. We can forget him. Mais il nous a dit, but he told us, de continuer de bâtir nos frères, nos enfants qui sont à l'étranger. To continue building up our children who are abroad. Et nous avons commencé. And we have started. Est-ce que tu brimes ta femme? Do you lord over your wife? Est-ce que tu la maltraites? Do you maltreat her? Est-ce qu'elle connaît ce qu'on appelle argent de poche? Does she know what we call pocket money? Est-ce qu'elle connaît ce qu'on appelle un cadeau? Un cadeau. Does she know what we call gifts? Les époux non brisés ne connaissent que leurs intérêts. Unbroken husbands only know their own interests. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Si le Saint-Esprit te parle, if the Holy Spirit speaks to you, tu mets de l'ordre, mais tout de suite. You put order right here and now. Et tu verras. And you will see. Frère, les relations sont très délicates. But the relationships are very delicate. J'avais pris un jeûne de 30 jours partiel. I took a 30-day partial fast. Ça devait être en 92. I think it was in 1992. Pour la plénitude du Saint-Esprit. For the fullness of the Holy Spirit. Je faisais de l'effort pour être correct. I was making an effort to be right. Et au niveau humain, at a human level, c'était vraiment encourageant. It was very encouraging. Je veux dire que ma conscience ne me reprochait pas beaucoup de choses. I'm saying that my conscience did not condemn me for many things. Mais quand j'ai pris ce jeûne, and when I took that fast, dès le premier jour, from the first day, le Saint-Esprit me dit, va te réconcilier avec X. The Holy Spirit told me, go and reconcile yourself with X. Il y a une sœur qui avait commis l'adultère. There was a sister who had committed adultery. Et parce que j'avais essayé de lui parler, and because I tried to speak to her, lui demandant d'arrêter, to asking her to stop, et de se repentir, and to repent, et elle m'a haï comme un frère ne m'a jamais haï. She hated me as a brother has never hated me before. Tous ceux qui s'appelaient mes disciples étaient ses ennemis. All those who were called my disciples were her enemies. Un frère m'a exhorté, elle ne me saluait plus. She no longer greeted me. Un frère m'a exhorté. A brother exhorted me. Pour me réconcilier avec elle. To get reconciled to her. J'ai dit, ah, quelqu'un vit dans le péché, quand on parle, elle se fâche. I said, ah, somebody's living in sin, and when we speak to her, she gets angry. Qu'elle reste là-bas. I told her to stay there. I said she should stay there. Je commence le jeûne, le Saint-Esprit me dit, va te réconcilier avec elle. Once I started the fast, the Holy Spirit told me, go and get reconciled to her. J'ai dit, Seigneur, mais c'est elle qui vit comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? I said, but Lord, va te réconcilier avec elle. I said, but Lord, she's the one who is living like that, what have I done? The Lord told me, go and get reconciled. C'était un dimanche, le premier jour du jeûne. It was on a Sunday, the first day of the fast. J'ai dit, bon Seigneur, permet que j'aille d'abord faire les baptêmes et puis je vais aller là-bas. I said, Lord, permit me to first of all go and carry out baptism and then I'll go there. Je suis allé. I went. Au lieu de rendez-vous. At the place of the appointment. Aucun frère. No brother. Je me suis dit, il faut que j'aille d'abord me réconcilier avec cette sœur. I told myself, I must go and get reconciled to that sister. Je suis allé. I went. Je sonne au portail. I rang at the gate. Elle arrive. She came. Elle a ouvert. As she opened. Dès qu'elle m'a vu. As she saw me. Elle fermait son portail avec énergie et violence. She banged the gate with violence. Quelque chose est descendu sur moi. Something came upon me. Je disais, s'il te plaît. I said, please. 5 minutes. Just 5 minutes. S'il te plaît. Please. 5 minutes. Elle me regarde. 5 minutes. She looked at me. Je dis, s'il te plaît. I said, please. 5 minutes. 5 minutes. Il dit, reviens à 15 heures. She said, come. Plank. Elle a fermé. She said, come at 3 p.m. and she closed the door.
À ce moment-là, at that point, l'esprit est descendu. The spirit came upon me. Frère, brethren, quand nous sommes allés au baptême, when we went for baptism, nous avons trouvé un magicien, vrai magicien. We found a true magician. Il a déshabillé une femme. He undressed a lady. Il restait seulement le slip. And only her pants were left. Il avait les œufs. There were eggs. La dame était dans l'eau, était dans l'eau jusqu'au genou. And the lady was in the water up to her knee level. Et il lapidait les œufs. And he was shooting the lady with eggs. Shooting her with eggs. J'ai expérimenté ce qu'on appelle l'esprit le saisit. I experienced what we call the spirit laid hold of him. Ça m'est arrivé une seule fois ce jour-là. C'est-à-dire que only once on that day. Pas dedans, ça fait comme ça. Not from inside, but from up, it came down. J'ai parlé en langue. I spoke j'ai in commandé tongues. Qu'il sorte, il sorte. Il and ramassait I les commanded him to go out. Il ramassait ces choses en tremblant. And he was carrying his things and going away. Frère, brother, si j'étais allé sans le Saint-Esprit, if I went without the Holy Spirit, qu'est-ce que ce baptême allait devenir? What would that baptism have been? Même eau là. That same water. On devait l'attendre. We had to wait. Ou bien on devait se retirer. Or we had to withdraw. Frère, réconcilie-toi. Get reconciled. Même si tu as raison. Even if you are right. Je n'avais commis aucun péché, frère. I committed no sin, brother. Je ne l'avais même pas méprisé. I did not even despise her. Et je passais des moments de réveil. And I was going through moments of revival. Où je faisais l'effort humain pour être agréable à Dieu. And I was making human efforts to be pleasing to God. Mais la parole dit, recherchez la paix avec tous. Seek peace with all men. Recherchez la paix avec tous. Seek peace with all men. Et il dit, autant que cela dépend de vous. And he says, for as much as it depends on you. Soyez en paix avec tout le monde. Be at peace with all men. Si tu vas, on te chasse. If you go and you are chased away, tu as fait. You have done it. Dieu a vu. God has seen it. Lève ta main. Raise your hand. Brisons toute résistance. Let's break every resistance. Prions qu'il y ait des réconciliations partout. Let's pray out of reconciliations everywhere. Marie, épouse, disciple, faisait disciple. Husband, wife, disciple, maker, disciple. Membre de l'assemblée, dirigeant. Member of the assembly and leaders. Maître, couvrier. Master, co-worker. Collègue, ancien collègue, missionnaire. Missionary colleagues, colleagues as elders. Prions ensemble. Let's pray together. Merci. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Lis pour nous Genèse 25, verset 23. Read for us Genesis 25, verse 23. Et tu lis aussi Genèse 27, verses 4 à 10. And you also read Genesis 27, verse 4 to 10. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. The Lord said to her, two nations are in your womb. Two peoples shall be separated from your body. One people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Amen. Genèse chapitre 27, verset 4 à 10. Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix
à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Notez ceci. Write this down. Les hommes non brisés aiment la bénédiction de Dieu. Unbroken men, ou les bénédictions de Dieu. Unbroken men love the blessing or the blessings of God. Cependant, ils aiment s'attacher à la bénédiction de Dieu sans s'attacher à la vérité, ni aux voies de Dieu, ni aux conseils de Dieu. Whereas they love the blessing, but they don't love to cling to the truth, nor to God's ways, nor to His counsel. Rebecca savait par révélation que Jacob allait être grand, plus grand que son frère Esaü. Rebecca knew for sure by revelation, by divine revelation, that her son Jacob would be greater than the older son Esau. Et je pense que ce que le frère a dit ici mérite une grande attention. I think that what brother is saying here needs some attention. Quand Rebecca a reçu que le plus petit sera plus grand, when Rebecca received that the younger will be greater than the older one, et elle s'est attachée à lui. She clung to him. C'était un attachement charnel. It was a carnal attachment. Quand j'étudiais le livre, j'ai compris seulement que on parle de Jacob, c'est un cas. On pouvait dire que l'homme non brisé, Esaü, l'homme non, femme non brisée, on prend la mère, Rebecca. C'est-à-dire que chaque personnage là a des traits caractéristiques des personnes non brisées qu'on peut étudier. I just realized that. I understood that we could also study the other cases like Esau, an unbroken person, and Rebecca, an unbroken person, because each of them has the traits of unbroken people. Seulement que le livre met l'accent sur only le that personnage de Jacob. The book lays emphasis on the personality of Jacob. Sinon, une mère if qui a not, deux enfants, why should a mother who has two children s'attache à un would attach to one au point de détourner ce qui est une bénédiction pour l'autre qui n'a même rien, selon les desseins de Dieu. Until siphoning the blessing that has to go to the elder one and giving it to the younger. Écoutez ça très bien. Nous tous, hein? This is for all of us. Les gens peuvent te suivre. People can follow you. Parce qu'ils savent que Dieu t'a béni. Because they know that God has blessed you. Ce n'est pas mauvais. It's not bad. Mais quand ils mènent une vie contre la vie de Dieu, ça pose un problème. But if they live a life that is contrary to the life of God, there is a problem. Elle est capable de concevoir un mensonge clair 100%. She was able to conceive a lie, a clear lie 100%. Pour détourner la bénédiction. Just to make the blessing go to the other. Elle ne pense même pas à Dieu, même un peu. She's not even speak to God, just a bit. Et le frère dit que c'est comme ça les gens l'ont brisé. And our brother says that is how unbroken people behave. Et si tu, supposons quelqu'un qui vient là, il dit, je vais intégrer la CMCI. Let us suppose someone who comes and says, I have come and I want to be a member of CMFI. Chaque réunion, il est là. He comes for every meeting. Croisade pour le renversement des principautés, il est là. For the crusade, for the overthrow of principalities, is present. Mais il ne change pas. But it does not change. Les choses qui donnent la vie de Dieu ne l'intéressent pas. Those things that give the life of God do not interest him. C'est ça qu'on appelle aimer les bénédictions de Dieu tout en étant contre la vérité, contre la vie de Dieu. That's what we say, loving the blessings of God while living against the truth, against the life of God. Tu peux trouver des croyants, you can find believers, qui sont prêts à quitter l'assemblée si tu prêches un certain message, who are ready to leave the assembly if you preach a certain message.
Une femme m'a dit, je ne viendrai pas dans votre église. A sister told me, a lady told me, I'll not come to your church. Parce que si je viens dans votre église, because if I come there, je risque de dire la vérité à mon mari. I risk telling my husband the truth. Parce que là où tu me vois, because as you see me, j'ai des maisons, I have houses, et des terrains, I have pieces of land. Mon mari n'est pas au courant. My husband knows nothing about it. Elle m'a donné l'argent pour lui acheter une Bible. J'ai acheté, je lui ai remis. Elle m'a donné l'argent pour acheter la couverture. J'ai acheté une couverture de la Bible. Je lui ai donné. Elle a pris cette Bible pour aller prier dans une autre église. She gave me money to buy a Bible. I bought it. She gave me money to buy the Bible cover. I bought it. And she took the Bible and the Bible cover to go and worship in another church. Après m'avoir dit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas nous suivre. After having told me the reason for which she could not follow me. Elle aime la bénédiction. She loves the blessings. Pas la vie de Dieu. Not the life of God. Si tu sais que Dieu a béni cet enfant, if you know that God has blessed this child, cherche la volonté de Dieu. Seek God's will. Je vais l'élever comment? How would I raise him up? Alléluia. Alléluia. Ce qui était la préoccupation de Manoah. L'enfant va vivre comment? Nous allons l'élever comment? That was Manoah's preoccupation. How are we going to raise this child? Ça, c'est des gens qui aiment la bénédiction. These are people who love the blessing. Tout en étant attachés à la vérité, à la voix de Dieu. While clinging to the truth and God's ways. Si tu discernes. If you discern. Que Dieu a béni ton faiseur de disciples. That God has blessed your disciple maker. Suis-le. Follow him. Et conforme-toi. And conform yourself. À sa vision. To his vision. Et à la vie de Christ qui coule. And to the life of Christ that flows. Tu seras béni. You will be blessed. Il y a des gens qui ont suivi les enfants d'Israël. There are people who follow the children of Israel. Ils voulaient être bénis avec Israël. They wanted to be blessed with Israel. Mais ils n'avaient pas oublié les mets, la nourriture de l'Égypte. But they did not forget the yeast and the food in Egypt. Et ils ont commencé à convoiter. And they began to covet. Ils ont attiré le malheur sur eux et sur Israël. And they brought misfortune on themselves and on Israel. Parce qu'ils ont contaminé le peuple. Because they contaminated the people. Il faut accepter le régime de Dieu. You must accept God's regime. Dieu ne t'interdit pas de suivre les gens bénis. God does not hinder you, forbid you from following blessed people. Mais, but il faut te convertir. You must be converted. Il faut changer de centre d'intérêt. You must change the centers of your interest. Changer de motifs. Change your motives. Il faut tout faire maintenant pour la gloire de Dieu. You must do all now for the glory of God. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. For the glory of God, for the glory of God, for the glory of God. Prie maintenant. Now pray. Dis à Jésus, j'aime les bénédictions. Tell Jesus I love blessings. Je m'engage. I commit myself. À me conformer à tes voies. To conform myself to your ways. À ta vie. To your life. Tu ne dois pas avoir honte d'aimer les bénédictions. You must not be ashamed of loving blessings. Mais il faut avoir honte de les rechercher en restant attaché au mal. But you should be ashamed of loving blessings or seeking blessings and still clinging to evil. C'est pour cette raison qu'il dit que votre rire se change en pleurs et but, votre joie en deuil. That's why it says, let your laughter be changed to cries and your feasting into mourning. Prions ensemble. Let's pray together. Trois personnes vont prier. Three people will pray. Si tu as compris, if you have understood, viens prier. Come and pray. Père éternel, je voudrais te bénir ce jour parce que tu parles au tréfonds de nos cœurs. Ta parole déclare que tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes au cœur. Et il y a plusieurs cœurs dans cette salle. Et tu nous parles tous ensemble. Plusieurs vivent avec leur épouse
sans véritablement que l'amour soit au centre de ce couple. Plusieurs vivent avec leurs disciples ou leurs faiseurs de disciples sans amour. Plusieurs marchent, vivent avec leurs dirigeants sans amour. Chacun cherche à exploiter l'autre. Chacun cherche son intérêt personnel. Éternel est notre Dieu. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je te supplie, Père, ce jour, donne-nous de marcher dans la vérité. Donne-nous de marcher dans la transparence. Donne-nous de marcher dans la lumière. Délivre-nous de l'hypocrisie. Délivre-nous du mensonge. Délivre-nous de la duplicité. Délivre-nous de la ruse. Délivre-nous de la démagogie. Bénis-nous avec une capacité inhabituelle d'être vrai. Pas pour influencer l'autre. Pas pour chercher un intérêt caché. Mais que nous fassions toutes choses pour ta gloire. Que nous fassions toutes choses pour ta gloire. Ton serviteur a dit que les servantes souffrent dans certaines familles juste parce que ces personnes les ont hébergées, leur rendent des services. À cause de cela, ces personnes vivent la maltraitance. Seigneur, ce que tu nous enseignes ce jour n'est pas juste de la théologie, c'est la vérité. Et tu veux que ceux qui marchent avec toi soient vrais, soient justes, soient remplis d'amour, soient remplis de vérité. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, où j'ai été faux, où j'ai été duplicite, où j'ai été rusé, où j'ai fait toutes choses par démagogie. Bénis-moi avec la capacité inhabituelle de revenir à toi et de faire les choses de manière à satisfaire pleinement ton cœur. Et bénis mon frère avec la capacité de faire les choses de manière à satisfaire ton cœur. Parce qu'en dernière position, c'est toi qui bénis. Et c'est toi qui maudis. Donne-nous de nous mettre dans la position des personnes, des femmes, des vieux, des jeunes qui recherchent ta bénédiction. Accorde que nous ne recherchons pas juste à marcher avec des hommes qui sont bénis en fuyant la vérité de Dieu, en fuyant les voies de Dieu. Donne-nous de venir à ta voix, à tes voix, à ta vérité. Merci Seigneur. Touche les cœurs, parle au cœur, parle à ceux qui sont concernés dans cette assemblée ce soir, afin qu'il y ait de vraies repentances, qu'il y ait de vraies réconciliations, pour que ton nom soit glorifié et que la confusion soit dans le camp de l'ennemi, maintenant et toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père, je veux bénir ton Saint-Nom et te rendre grâce. Éternel, parce que j'aime tes bénédictions. Je veux tes bénédictions et je veux les expérimenter chaque jour de ma vie. Seigneur, mais aujourd'hui, tu as parlé au plus profond de moi-même. Et je me rends compte que si tu étais arrivé ce jour, avant que je n'entende, ô Seigneur, ce que tu avais sur ton cœur et que tu as transmis à ton Fils afin qu'il nous le donne, je serais sorti d'ici en ayant des ombres noires dans ma vie. Seigneur, n'étant pas brisé à bien des égards. Et c'est pourquoi tu veux que ton nom soit sanctifié dans tout ce que nous faisons. Tu veux que nous saisissions, que je saisisse ta bénédiction. Tes bénédictions, Seigneur, avec la vérité et la vie qui coule de toi. Seigneur, je comprends aujourd'hui pourquoi je n'ai pas su toujours transmettre ô Éternel, ta vie à moi, aux brebis qui me suivent. Je comprends pourquoi certaines peuvent suivre, ô leur maître, leur faiseur de disciples, et vivre loin de ta vie. Éternel, aujourd'hui, je m'engage donc en aimant tes bénédictions, en étant attaché à elles, à transmettre tout ce que tu donnes à tes enfants comme faveur.
C'est-à-dire tout ce que tu m'as donné en étant attaché à ta vérité, en étant attaché à ta vie, à moi. Éternel, afin que cette vie se transmette sans que je ne force, sans que je ne mette mon intelligence humaine à l'épreuve, mais qu'en étant attaché à toi, ta vie qui coule à moi, Éternel, se transmette par la puissance et la présence de ton Saint-Esprit. Ô Dieu, sois exalté, sois loué, parce que tu es Dieu, et en tant que Dieu, ton amour ce soir m'a ramené à toi. Je veux te dire infiniment merci et célébrer le nom qui est le tien, Jésus. Sois exalté. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Seigneur, parce que tu as dit ce message, c'est pour nous. Nous qui avons dit oui à Jésus, nous les frères en Christ, nous qui allons dans les assemblées, nous les frères de la CMCI, tu dis ce message, c'est pour nous. Parce que tu veux nous trouver des hommes et des femmes brisés. Ton souhait, que nous arrivions à être ces hommes et ces femmes brisés, que tu désires voir dans nos assemblées, dans nos églises. Seigneur, nous disons oui, nous acceptons à être des hommes et des femmes brisés. Nous acceptons à rentrer dans cette école pour parvenir à cette vie que tu voudrais que nous ayons. Nous supplions ta grâce. Plaidons que personne ne fuit ce message. Tu as dit quand un certain message est prêché dans les assemblées, il y a des personnes qui fuient. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint attache chacun de nous à cette vérité. Que personne ne fuit une assemblée, personne ne fuit la communauté parce qu'il refuse d'être brisé. Mais au contraire, accorde-nous, Seigneur, que nous acceptons à rentrer en nous-mêmes, à étudier notre vie, à mettre notre vie à la lumière des Écritures, à la lumière de cet enseignement, pour voir ce que nous devons faire pour que nous soyons véritablement brisés. S'il te plaît, nous prions que tu continues de nous parler, même quand nous allons rentrer dans nos couches. Parle-nous, Seigneur. Mets l'accent, mets la lumière là où notre Dieu nous avons besoin. Une conversion réelle pour parvenir au brisement. S'il te plaît, que la vérité soit trouvée au fond de nos cœurs. La vérité au fond de nos cœurs. Que personne ne fuit la vérité. Personne ne fuit la vérité. Accorde-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, de travailler afin d'être des hommes et des femmes brisés. Merci pour ce grand cadeau que tu nous donnes au début de cette année, afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et nous sommes convaincus que ton Esprit Saint est à l'œuvre et nous serons tous remplis du Saint-Esprit d'une manière particulière quand nous aurons fait le travail, parce que tu nous conduis à le faire effectivement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur t'accompagne. The Lord go with you. Que le dépôt soit caché dans le sang de Jésus. May the deposit be hidden in the blood of Jesus. Amen. Amen.